Bon, c'est quand même un grand plaisir et certainement avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de fierté et de satisfaction que nous nous adressons à la famille du football, à la population haïtienne en général. Et c'est important de souligner quand même les importants acquis que nous avons eus cet an dernier. Lorsque nous avons inauguré notre gestion, il y aura à la fin de l'année environ 20 ans, et le football haïtien était vraiment au fond du gouffre. Après la Coupe du Monde 74, ce gros acquis a été dilapidé. On arrivait difficilement à organiser des championnats. On était dans une situation extrêmement difficile. On arrivait rarement à jouer des rencontres internationales et notre horizon se limitait au premier ou deuxième tour de la Caraïbe. Haïti était régulièrement éliminé chez les hommes comme chez les femmes en senior. Après participation en 79, Haïti fait longtemps ignoré, a fait U17, U19 et toutes les compétitions de jeunes. Nous pouvons dire quand même que depuis quelques années, nous avons quand même implanté une politique de développement qui d'abord permet au football à jouer au niveau national, jouer à plusieurs niveaux, à plusieurs divisions, de l'extrême pointe de la Grand'Anse jusqu'à l'extrême pointe du Nord-Est ou du Nord-Ouest. Tous les clubs sont engagés dans des compétitions. Mais pour arriver à ces compétitions, il a fallu un petit peu dépolitiser le jeu. La plus grosse conquête du football haïtien ces dernières années était justement son indépendance. Ainsi, nos compétitions sont bien organisées. Nous avons des instances juridictionnelles tout à fait indépendantes avec d'éminents avocats qui nous prêtent leur concours et qui garantissent, si vous voulez, l'équité des décisions que nous prenons. Ces instances juridictionnelles fonctionnent indépendamment de l'administration de la fédération. Ainsi donc, le football est devenu véritablement national. Que vous soyez de Wanamend, que vous soyez des Cayes, de Jérémy ou du Cap, si vous avez le talent, si vous vous imposez par vos performances, vous avez une chance de figurer au niveau de l'équipe nationale. Le deuxième problème qui a été résolu, c'était justement l'absence totale d'Haïti sur la scène internationale. Maintenant, les équipes haïtiennes, depuis quelques années, voyagent à travers le monde et le malaise qui frappe certains autres pays de la Caraïbe, à savoir chaque fois qu'ils voyagent, l'équipe ne retourne pas. Nous avons su résoudre ce problème grâce à une motivation de tous les instants, grâce à la grande affection que nous donnons aux joueurs, grâce à des programmes performants qui mettaient les joueurs en confiance parce qu'ils sont sûrs qu'ils sont entourés par leur fédération et qu'ils sont capables de vivre le niveau que le talent permet si toutefois ils performent bien. Et puis, comme je l'ai dit, au niveau de la Caraïbe, progressivement, on est monté en puissance et on est devenu actuellement l'indiscutable numéro 1 de la Caraïbe. Comme en témoigne d'ailleurs le fait que toutes les compétitions de jeunes, des U14 jusqu'au U23, ont été remportées ces dernières années par les sélections nationales haïtiennes. Nous montons plus haut même, nous sommes montés au niveau des pays de l'Amérique centrale. Désormais, Costa Rica, Salvador, tout le monde tremble. Et les scores de tennis ou les scores de water polo, de handball, c'est-à-dire les scores fleuves, on n'en connaît presque pas. Nous avons commencé quand même ce cycle de 4 ans avec une qualification pour la Copa América. Nous nous sommes élevés donc parmi les 6 pays de la CONCACAF qui ont été admis à participer à la Copa Centenario, la Copa América du centenaire. Ça a été vraiment une grosse performance. Et puis toutes ces dernières années, on n'en compte plus les titres que nous avons remportés. Champion de la Caraïbe 17 à Port-au-Prince, champion de la Caraïbe 20 à Port-au-Prince, champion de la Caraïbe 17 à Porto Rico, champion U15 avec Nerilia comme soulier d'or de la Caraïbe, de la CONCACAF, pardon, à Cayman Islands. Mais notre travail ne s'est pas limité seulement au niveau des équipes nationales. Nous avons ouvert une académie et implanté un programme de formation d'élite et nous construisons ainsi une académie moderne, la seule qui existe dans la Caraïbe, avec où l'école qui l'a donnée, avec salle de musculation, avec une clinique médicale moderne pour que joueurs n'aient pas été blessés pendant longtemps. Nous avons surtout attaqué l'épineux problème des terrains. Côté où tu gagnes wash à droite, la boue à gauche, long match était fini, les acteurs étaient méconnaissables.
grâce donc au succès que nous avons connu, l'État a choisi de construire beaucoup de terrain. Mais nous autres aussi, nous dégagez nous. Outre le Centre technique national moderne, le seul de la Caraïbe que nous gagnons, nous avons construit ici une plage de jeu qui a 5 terrains là dans l'île, plage moderne, éclairée, donc équipée pour entraînement en tout temps. Et comme c'est un centre d'entraînement, il faut donc constamment l'approvisionnement. Nous avons, grâce à la coopération allemande et grâce à l'État haïtien, construit un système d'alimentation au solaire qui permet aux 600 jeunes que nous recevons ici, non seulement d'aller à l'école, de faire de bonnes études classiques primaires et secondaires, mais également d'être approvisionnés convenablement. Et puis, les terrains qui ont été aménagés ont fait l'objet de critiques, de débats, d'une véritable bataille politique. Mais la FHF est montée au-dessus de tout cela, sachant que ces terrains, finalement, sont des terrains de football, sont des investissements que Haïti a obligé de payer. Nous avons attaqué ces terrains et il n'y a pas de prévoir structure d'entretien pour eux. Non seulement nous roumains pour nous un bon terrain au Cap, pour nous sortir en roche qui était au Cap là, nous avons construit un terrain qui a coûté plus d'un million de dollars à Saint-Marc. C'est grâce aux bons résultats que nos équipes nationales ont eu que... Chers amis, nous venons ensemble avec la vidéo ça pour vous. Pour ou même avec les oreilles et yeux ou pour capable gagner une idée parce que le que nous apprenons que Molina vini avec d'autres ça que des révélations sous 10.4 ou 10.7 millions de dollars qui tabaille la Fédération haïtienne de football là et que gain des compatriotes qui t'a dit et c'est comme si pas gain rien qui fait. Mais sous ça que nous sautons là, nous avons dit, t'es un bagage qui fait. Au lieu pour nous avoir dit pas du tout, peut-être que nous avons dit pas assez. Parce que de la vie de plus d'eux, tu as pensé qu'avec 10 millions, 7 millions de dollars, il y a plus de bagage qui t'es fait toujours. Mais moi-même, moi pas en Haïti, moi pas aller sous site ça pour moi. Ouais, seul ça que m'te ouais. Et c'était en Parc Saint-Victor, le moins t'es fait passage moins dans le nord, moins ouais qui gagnait une couverture synthétique. Après ça, tout l'autre terrain que Dr Yves Jean cité, on va vérifier. Donc ou même qui a vivent en Haïti, est-ce que terrain ça y est là vraiment? Plus de 53 écoles de football, académie que fédération mettait en place. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que CN a continué à alimenter? Moi, pas connais. Mais le nous garder coup de vidéo ça, nous capable dire bon Dieu, il y a quelque bagaille qui était faite. Donc en toute chose, il faut que nous dit bagaille avec toute objectivité, toute sincérité. M'va venir là pour me défendre docteur Jamba, mais moi voulais garder est-ce que tu as gagné un bagaille qui était faite? Est-ce que pas de gain rien du tout ou bien est-ce que pas de gain suffisamment de action qui fait maintenant c'est à des monde qui placé pour faire des inventaires qui pour faire des audits qui pour évaluer ça que docteur Yves Jamba dit que et administration l'ont fait pour nous aller pour nous ouais est-ce que bagay ça yo t'es fait vrai est-ce que yo vaut 10 000 mais pour nous dire que pas gain rien qui t'es fait penser que et c'est un peu méchant. Donc et en toute chose même leur qu'on pas d'accord avec au monde, s'ils font bon bagage c'est pour deal. Donc je pensais que Molina tu as besoin questionner FIFA parce que à mon avis il y a des rapports qui baillent à FIFA. Donc qui ça c'est pas FIFA qui vient pour les sanctionner et docteur Yves Jambard et pour dire que 10.4 ou 10.7 millions de dollars l'était bali était mal utilisé. Donc et même gagner l'ancien joueur de Don Bosco et de la sélection nationale Enzo Lorenz qui dit qu'elle a crié longtemps de corruption dans la fédération hein? Donc est-ce que 10 millions li pas dépensé du tout? Mais nous ouais quand nous et nous ouais l'autre côté nous même qui dans pays
c'est pour nous capables de témoigner est-ce que vraiment bagay sa yo réalisé, est-ce que yo pas réalisé. Moi-même, moi juste vini faire un questionnement le m'a tendé docteur Jean-Barle m'a gardé ça que il présenté yo, bien que il pas montré tout terrain province que il dit que fédération a participé à rénovation réparation yo, ou bien whatsoever. Donc on pensait que nous-mêmes qui dans pays a nous en mesure pour nous évaluer pour nous dire non c'est vrai et non c'est pas vrai oui c'est vrai. Donc à quelque chose malheur est bon moun qui a gagné pour lui finir très bientôt dans tête fédération haïtienne il y a capable mener bac yo pi bien les que yo ba un cob pour yo faire sa cob là destiné pour le faire et doit gagner des instances aussi qui la cap clériger pour garder est-ce que dépenses yo bien faites à ça que comme la te destiné à est-ce que lui-même li fait. Donc nous même qui souterrain question balle là dans pied nous réalisation de fédération haïtienne de football là pas du tout ou pas assez. Donc c'est à nous même pour répondre. C'était Solange Mette pour une courte réflexion sur réalisation fédération haïtienne de football. Est-ce que tu gagnes corruption ou pas? Moi pas connais ces questions m'a poser. Allez à tantôt pour une autre réflexion du même genre.